Bonjour. Bonjour. Bah, j'ai pas le sentiment de ne pas l'avoir mouillé. Ce qui est vrai, c'est que j'ai fait campagne tard. D'abord, c'est normal pour un président sortant. Et ensuite, les circonstances m'ont un peu contraint. C'est un fait. Mais comme on est tous pris par l'immédiateté et le temps court, a-t-on oublié qu'il y a 2 mois, on vivait un pic épidémique dans nos hôpitaux, qu'il y a 1 mois et demi, les bombes commençaient à tomber sur l'Ukraine et que la guerre était déclenchée? Qui aurait pu comprendre, il y a 6 semaines, que d'un seul coup, j'allais faire des rassemblements populaires, commencer à faire de la politique domestique quand la guerre était déclarée en Ukraine? Donc, c'est un fait que je suis rentré encore plus tard que je ne l'aurais voulu. Ça ne m'a pas empêché, matin, midi et soir, dès que j'avais un espace, d'aller convaincre, d'aller aux côtés de nos compatriotes et d'avancer. Mais je considère que ce que j'ai à faire, c'est d'abord de continuer à présider jusqu'à la fin. Et en même temps, comme vous auriez dit, puisque cette formule vous doit beaucoup, conquérir, convaincre, avancer. Et donc c'est comme ça que je fais. J'ai l'esprit de conquête plutôt que l'esprit de défaite.